Ce matin, l'Élysée a organisé une discussion téléphonique entre Emmanuel Macron, Gérard Larcher, le président du Sénat, Laurent Wauquiez, leader des députés de droite républicaine, et Bruno Retailleau, chef de sénateur LR, pour discuter de la nomination du prochain Premier ministre. Selon des informations, Emmanuel Macron penchait désormais vers Xavier Bertrand pour ce poste, écartant les candidatures de Bernard Cazeneuve et Thierry Baudet. Il estime que Cazeneuve manque de soutien dans sa famille politique et souhaite revenir sur la réforme des retraites, contraire à la vision du président. Les responsables politiques ont accepté la décision présidentielle concernant la nomination de Xavier Bertrand à Matignon, sous réserve de garantie. Ils veulent s'assurer que le gouvernement ne sera pas censuré et demandent des précisions sur les orientations politiques de Bertrand. Il insiste sur l'importance de ne pas utiliser un premier ministre de droite comme couverture pour mener une politique de gauche, en particulier en ce qui concerne la réforme des retraites. Emmanuel Macron s'est engagé à consulter les formations politiques pour vérifier la viabilité de cette décision et a souligné que Xavier Bertrand devra clarifier ses intentions politiques envers les différents groupes politiques, notamment la droite.